Qu'est-ce qu'une balance générale en comptabilité ? Une balance générale est un document comptable qui regroupe l'état de l'ensemble des comptes d'une entreprise qui ont fait l'objet d'un ou plusieurs mouvements comptables sur une période donnée. Ce n'est pas un document comptable obligatoire, mais il est très utile pour s'assurer de la bonne gestion des comptes d'une entreprise. À quoi sert une balance générale ? Une balance générale donne une vision synthétique de toutes les entrées et sorties d'argent d'une entreprise sur un exercice. Elle permet de voir rapidement si les comptes de l'entreprise sont à l'équilibre. Le résultat de la balance générale doit effectivement toujours être égal à zéro, sinon c'est qu'il y a une erreur de saisie comptable qu'il faut rectifier. La balance générale sert donc à mettre en avant d'éventuelles anomalies pour les régler. Parfois, les entreprises utilisent la balance générale avant de clôturer leur exercice. De cette manière, elles peuvent justement repérer les erreurs et les rectifier avant de sortir leurs documents comptables officiels. Certaines entreprises recourent aussi à ce document comptable pour établir leur déclaration de TVA et en faire le suivi. Enfin, la balance générale sert à réaliser des analyses. De cette façon, on peut comparer les entrées et sorties d'argent d'une période sur l'autre. Que trouve-t-on sur ce document comptable ? Sur une balance générale, on retrouve pour chaque compte de l'entreprise le numéro du compte, le libellé du compte, le montant total des débits du compte, le montant total des crédits du compte et le solde du compte.